Tout a commencé par un banal contrôle routier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Sur le siège du passager, il y avait un jeune homme. Merci. C'était Adam Fréjean. Il dormait sur une couverture. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Merci. Merci à vous. Sa ceinture était attachée, les papiers de Millard étaient en règle. Là, ça roupille, hein. Rien ne m'a paru suspect et je les ai laissés repartir. Vous pouvez circuler, tout est en règle. Merci, bonne soirée. C'était en novembre 2016. Le 12. Deux jours après, j'ai vu un avis de recherche sur le jeune Fréjean. Je suis sûr que c'était lui. Ses parents m'ont parlé d'un nouveau voisin qui tournait autour de leur fils, un type bizarre, Étienne Millard. Et je me suis souvenu que c'était lui que j'avais contrôlé ce soir-là.